Et voilà, on est de retour donc sur Rimworld pour la suite de nos aventures après un petit bout de sandwich. On est reparti donc et pour l'instant tout le monde est en vie. Ok, désolé, petit SMS de travail. Donc, on est reparti avec Vasily qu'on a offert à personne. Hein. Encore une fois, il y a pas mal de. Nous avons Blanc, Maria, Magrat et Vasily à offrir. Si jamais. Alors attendez, qui est en train de miner quoi là? Ah oui, c'est ici. C'est vrai. Éruption solaire, hein. Très bien. Bon, on a été servi quand même, regardez le métal là. Plutôt pas mal. Restez pas trop dans le froid, voilà, hypothermie. Y a pas moyen de faire la porte avant, les gars. En vrai. Négociation avec Plaos. Grand stellaire de l'Empire brisé nous a fait parvenir un message, voudrait discuter avec nous dans une zone neutre, Ninia. Allez à pourparler. Il n'y a pas moyen. Ça me vient.
Bon, tout le monde est en train de dormir encore. Caldwell, toujours vivant, ça se passe bien. C'est une quête, hein. On doit le garder pendant 20 jours, un truc comme ça. Et le renvoyer ensuite. Nourrit la bestiole. Genre, elle peut pas se nourrir toute seule. Vu qu'ils ont accès à l'inventaire. Ok, parfait. On va pouvoir virer ça, virer ça, virer ça. On n'a pas de zone de décharge en vrai. Zone de décharge, on va la mettre par là. Qu'est-ce que vous nous voulez? Chaque année, spiriliste. Qui est spiriliste là? Resta principal. Pas content que ce soit lui. Un spiritiste peut remplir le rôle d'orateur. Il n'y a que toi, ok. Allez, petite fête pour lui faire plaisir. C'était pas génial. Ce truc-là, on va peut-être le décaler. On va le mettre par ici. Ça aidera peut-être un peu. Ok, toutes les chambres sont prêtes. Non, il en manque encore, mais bon. Toutes celles qu'on avait déjà entamées, disons. On avait demandé. Oh purée, bientôt. Bientôt. Une éolienne nous changerait tellement la vie. Une éolienne et des lampes. Il y a de la neige dans la maison. Et un raid. Un groupe de pirates, gnagnagna. Ils se préparent un certain temps avant d'attaquer. Ils sont deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lance sacrée. Ok. Et un couteau. Bah, pas de soucis. Vous nous prévenez quand vous êtes prêts. Nous, on va pas. On vous attend au chaud. Blanc est en train de récupérer des trucs, cependant. Faudrait pas rester tout seul au milieu de rien. On va lui demander de rapporter les choses vite. Tiens, genre, rapporte les choses donc. Hop. Raton laveur enragé. Eh ben, ça va mal se passer. Il a peut-être croisé les autres là-haut. Ah non, il a pris un piège. Ok. Comme quoi les pièges. Plutôt efficaces. Hein. Alors, les pirates lancent l'assaut. Ok. Ben nous, on sort de là. On n'a pas trop de pièges par ici. Ce serait pas mal d'y penser. Toi, t'as toujours pas d'armes. On va te laisser faire ta vie parce que.
Il a attendu son pote. Ah oui, d'accord. Je me demandais pourquoi il attendait son pote. La réponse, elle est là. Lance sacrée, quoi. Au secours. Au secours. Chopez-le, lui. Ok, et maintenant, chopez-le, lui. Bon, on veut bien récupérer la lance sacrée, là. Je te cache pas que ça fait son petit effet, quand même. Voilà, très bien. Chopez-le. Défoncez-le, là. 3 contre 1, stun. Voilà. Allez, au soin, tout le monde. La lance sacrée. Le flake, on récupère. Le couteau, on récupère. Attendez, partez pas comme ça. Ah ouais. Évidemment, Nosferatu qui se jette sur la lance sacrée. Tiens, bah vas-y, équipe la lance sacrée. Ça te changera de ton arc en bois. Puisque t'es là. Tu as déjà joué avec le mode magique? Pas du tout. Pas du tout, jamais. Nickel pour la lance. Ah ouais, elle était déjà surprenante. Je m'attendais à ce que ce soit une lance de cavalier ou quoi. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est un délire. Alors attendez, parce que là on a des problèmes. Mort dans 6 heures. On peut peut-être soigner en urgence. Et ici, on est déjà en train de se soigner. Voilà, heureusement on a les médicaments, tout va bien. Pas de problème. Ouais, le mode magique, j'ai pas joué du tout, je sais pas du tout ce que ça propose. Est-ce que... si tu veux expliquer, n'hésite pas. Alors le flex, il est rentré là. On va pouvoir l'interdire. Alors dans 6 heures, mais ça va bien se passer. Nosferatu est notre médecin. Ça lui fait des dégâts de pistolet automatique. Ah non, c'est parce qu'on lui a tiré dessus. Parce qu'il y a aussi les dégâts de la lance. Bah, désolé. Bon, et cette chambre? On va pouvoir déplacer un lit ici. Déplacer ça là-bas. Quoique non, parce que ce sera l'hôpital. Capsule de sauvetage. Il y a moyen. Capturé, mais on n'a pas de place. Ah oui. Non, attends. Attends. Ça, c'est un lit en peuplier. Peuplier. Voilà. Il nous faut un lit comme ça. On va le mettre là. Sylvie, s'il te plaît, dépêche-toi. Allez. Termine ça. Ok. Ensuite... Toi, tu vas pouvoir aller capturer machine. On va essayer de recruter aussi. Et lui d'ailleurs, on peut pas le recruter là. À servir, machin, non, on peut pas. On peut faire ça en revanche. Pourquoi pas? Ah. Bon. Okay. Et toi, on va essayer de te recruter. L'Empire brisé plus 15 si on la relâche.
Alors, on va peut-être leur mettre une table également. Elles sont là, les tables. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est une table. Hein. Pas sûr. Voilà, petite table ici. Les tabourets qui vont avec. Mince. Hop. Salut à toi Soraoli, bah écoute, voilà, bienvenue dans l'équipe. Alors ça met plein de pouvoirs différents selon les classes de tes personnages. Ça permet de survivre plus facilement. Quel genre de sort du coup tu peux avoir? Grâce à sa bonne humeur, Maria a connu une inspiration. Toute œuvre d'art ou meuble que Maria réalisera sera de qualité supérieure. Très bien. On va peut-être pouvoir lui demander de faire un lit. Oh, ça y est, l'électricité. Ah, finis-le. Non. Ah, purée. Dommage. Bon, c'est pas grave. Il nous faut l'énergie éolienne, voilà. On va se mettre nos éoliennes ici. Toutes sortes des invocations, des trucs pour tenir les endroits au frais, pour geler une zone. Écoute, je regarderai, ou si tu veux laisser le mode sur le Discord, why not? Il nous faudrait des batteries maintenant, mais on n'a pas la recherche, donc... Recherche batterie, celle-là sera plus rapide. Tu peux tirer des projectiles ou attaquer le mental. Ah ça y est, il nous fait le bois noir. Il était temps. On va lui demander qu'il s'arrête à 2000. Jusqu'à en avoir... Détail. Jusqu'à en avoir 2000. Avec ce bois noir, on va faire essentiellement le contour de notre base. Ou alors du plancher, ou je sais pas, on verra. Bon, dans tous les cas, là, c'est plutôt pas mal. Tant qu'il fait froid, on va pas trop les envoyer dehors. S'il y a un truc à récupérer vite, mais bon, c'est pas trop le cas là. Là, on est plutôt serein. Donc, pour bien faire, étape d'après, il nous faudrait une cuisine. Une cuisine, un frigo. Donc justement, on va pouvoir prendre notre mur. Ça, on va l'enlever. On va mettre notre mur ici au milieu. Ce truc-là,
On va le réinstaller là. Voilà, Bouctin enragé. Ok. Vas-y, viens. Ceci dit, il va se prendre les pièges là si on sort pas. Mais... Ah, la lance, c'est vrai. Restez pas devant. Reste pas devant, Anthony. Bon, ça va, tout s'est bien passé. La lance, je sens qu'elle va faire du bien. Exactement, Soraoli. C'est celui-là même. Il y a peut-être un mode qui n'y est pas, mais... normalement, ils y sont tous. Le mode qui n'y serait pas, je me souviens plus lequel. Alors, ce truc-là. Ce truc-là, on va le mettre là, dans la cuisine. Ça, on va le déplacer par ici. Installé là. Ça, on peut pas le déplacer, on est obligé de le reconstruire. Il n'y a pas de quoi. Et si vous avez des mods à proposer, hein, si jamais vous utilisez la liste du Discord et que vous en rajoutez par-dessus et que ça crée pas de conflit ou quoi, n'hésitez pas à donner les liens vers le workshop, hein, ou autre, je rajouterai. Une fête, très bien. Faites dans l'atelier salle à manger. Personne veut s'occuper de ça. Alors, pose boss, femme au foyer est totalement guérie. Ce lit n'appartient à personne. Tiens, hop. On va t'en faire une copie de ça. De ça plutôt. Tiens. Avec une petite lampe. 16 degrés, 12,8. Par contre, je galère à trouver car ton chemin ne matche pas avec le mien. Alors, normalement, tu as ces deux points user, donc utilisateur. Ok. Il y a ton nom. Ou admin, selon. Ensuite, AppData. Ce fichier-là, ce dossier-là, AppData, il peut être caché, masqué, donc il faut que tu ailles dans tes options de l'explorateur pour afficher les dossiers masqués. Puis, de mémoire, je crois que c'était Local Law et Ludeon, RimWorld. Pluie de météorites. Incroyable. Il y a tout ça qui nous est tombé sur la tronche. Avec une bestiole. Anima Colossus. À quoi tu sers? On ne sait pas. Citrine serpentinite. Serpentine, pardon.
Machinerie compactée, ça c'est que des composants. C'est un truc de ouf. On va aller les chercher tout à l'heure. Quand il fera un peu plus chaud. Ouais, le app data il est souvent masqué au départ. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de le masquer, mais. Alors. Attendez, on va faire du. Voilà. Jusqu'à en avoir des tailles 2000. Ok. Là, du coup, on va pouvoir fermer ça. Enfin, fermer, détruire ce truc-là. Ici, on va faire une cuisine. Donc là, on va annuler hop, notre zone. On va leur demander production, cuisine, électrique. Parce que maintenant, nous sommes des gens comme ça. Peut-être que le sarcophage dans la cuisine, c'est pas nécessaire. Bon, ça donne un style. Le lieu de dépeçage, on l'a plus. On pourrait se faire un établi de boucher plutôt à la place. Non, on pourrait pas parce qu'on l'a. Ah, si, on l'a. Alors, écran de recherche. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, maintenant c'est lancé les recherches. On va se faire les lumières colorées parce que c'est assez rapide. Ça m'évite d'avoir à réfléchir. Et on pourra faire ça dans les chambres. Ensuite, donc, l'établi de boucher. L'établi de boucher en oak. On va le mettre ici. Là, on voudrait une porte. Est-ce que ça, on peut le déplacer? Tout à fait, on peut le déplacer là. Zone de stockage avait disparu. Ah, tu sais, tu peux mettre les objets là-dedans aussi, hein, les vêtements et tout. Tiens, allez hop, on met tout. Les plantes, les cadavres, peut-être pas aussi. Vas-y, on met tout là-dedans. Je pose pas de questions. Les aéroflites, on commence à en avoir une petite. Voilà, on en a 5. Impeccable. Tu veux pas, par exemple. Voilà, faire ça. Comme ça, après, on est tranquille. Accepter. Mais secours. Alors un raid. Qui êtes-vous? Ils attaquent immédiatement. Ils attaquent immédiatement. Un couteau, une massue. Ça devrait aller. Ils attaquent. Ils vont arriver par là. Éventuellement, on les attend là. Derrière le piège. Tiens, viens là. Après, le truc avec la lance, c'est qu'il faut savoir viser. Mais ça va, le rythme des tirs est assez régulier quand même.
Ok, personne n'a tiré sur Nifleur, c'est une très bonne nouvelle. Ça hop, tiens Maria, viens là. Récupère du jade, une massue, un couteau. Et ce sera très bien. Un autre raid, hein, terrible. Bon. Ah, on va pouvoir manger ça aussi. Et ça. Ouais, l'autre raid, c'est-à-dire. Ah d'accord. Un raid aéroporté là. Ouh, attends. Attends, parce que toi, ouais. On sent que ça va pas se passer tout à fait pareil là. On va se mettre là. D'ailleurs, il nous faudra un petit bout de barrière si ça dérange personne. Ensuite. Attendez, Sylvie, elle peut rien faire. Toi, tu vas aller te planquer là-bas. Toi, t'as quoi, le pilum? Tu peux te planquer par là. Toi, tu peux tirer depuis ici. Toi, tu peux aller faire ta vie. Vas-y, chope-le. Allez, bim. Bon, bah ça, on récupère hein, tout de suite. Il est encore en vie. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Oh, il a des trucs cool. On va pas le récupérer, lui. On va juste le dessaper. Récupérer tout ce qui traîne. Voilà, et si tu veux aller rejoindre ta tribu, tu peux y aller. C'est ton problème. Bon, après, dépêche-toi, parce que dans 18 heures, tu vas pas faire trop le malin. Salut à toi, Kars, bienvenue sur le live. Nouvelle colonie, ouais, parce que Kars, il était en grosse galère. Donc je vais voir en off. Il était en fait dans un coma, un repos de vampire, là. Dehors, en train de crever de faim et tout. Personne pouvait l'aider, il était tout seul dans la colonie. Donc je vais voir en off s'il y a moyen, s'il se relève ou s'il crève. Si jamais il se relève, on reviendra avec son let's play. Il faudrait que j'essaie de jouer de façon moins traditionnelle. J'adorais l'idée du vampire. Mais je finis toujours par jouer de cette façon. Ouais, c'est vrai que souvent on se donne une idée au départ et puis... ou l'inverse, pas assez d'idées. Et on finit par faire un peu toujours la même chose ou de la même façon. Après, le vampire et le Mechanitor sont vraiment les départs du DLC, Biotech. Donc, a priori, voilà, t'es déjà dans le bain tout de suite en démarrant ton scénario. Ce qui est plutôt cool. Sylvie, est-ce que tu veux finir ça, s'il te plaît ? Puis, il y a aussi que les adversaires et tout deviennent de plus en plus forts. Alors, c'est sûr que si tu restes avec tes épées pour le principe et pour ton roleplay, tu vas finir par te faire rouler dessus, quoi qu'il arrive. Les bébés, c'est la galère pire que les Sims. Effectivement, il y a une ressemblance assez marquée entre les bébés des Sims et les bébés Dreamworld. Du genre, on les dépose par terre, ça pose aucun problème. Attendez, Vasily, il a un problème, il est en train de taper sur... il s'est fait défoncer. Tiens, tu peux sauver Vasily, s'il te plaît ? Et puis surtout ne pas laisser le revolver dans la prison. Tiens, bah c'est toi qui vas le récupérer du coup. Ouais, ne laissez pas ça non plus. Hein. On sait jamais.
trouve que ça prend trop de temps pour qu'il grandisse. Bah, il y aura peut-être des modes ou quoi, ou peut-être dans les options, je sais pas s'il y a quelque chose qui permet de changer ça. Je pense que tu vas pas être le seul à être agacé par ça et que des modes vont arriver. Après, faut voir si ta colonie est vraiment bien développée, que tu as plein de monde et tout, tu peux te faire une nursery et c'est pas trop grave, mais c'est vrai que quand c'est les débuts de partie, bon, t'as un peu autre chose à faire. Ici, on va. Attendez, 3, 4, 7, 5, 6, 7. Donc ça, on peut en faire un hôpital. Et ça, les gars, si vous voulez le virer. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est? On pourrait faire la fonderie. On va faire la fonderie. Personne n'a besoin de se marier, donc pas de souci. On va se refaire un tabouret. Il nous faut également des câbles. Ah, les câbles, on peut les faire en plein de trucs, mais on va les faire en métal classique. Hop, 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 hop. On va aller chercher les chambres avec ça. On va faire le tour. Allez, c'est parti, les chambres. On va se faire la dérivation, du coup, hop. Et voilà. On a fait le tour de la base comme ça. Ah ouais, le chat qui tire la langue. L'insubordination féline. Mais bon, fais gaffe parce que à force, c'est lui qui va te gronder. Et je te promets que si toi tu tires la langue, ça se passe pas aussi bien. Tu devrais pas jouer avec ta vie comme ça. T'as envie de le laisser dehors pour qu'un loup les adopte. Bah, c'est ce qu'avait fait dans la partie précédente, justement, avec le Kars et le vampire. Le sbire numéro 1 qui avait eu un bébé qui s'est barré comme ça, qui nous l'a laissé. Elle a tout compris. Reprise de boulot, elle bout de 24 heures. Écoute, je pense que c'est important effectivement pour eux de faire savoir extraire du métal en boucle. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? On peut fondre des cristaux de jade. Ah oui, mais on n'a pas de cristaux. Ok, il nous faudrait une batterie. Il faudrait finir ce câble aussi. Et cette partie-là. Plein de trucs à découper là. Voilà, il suffisait d'en parler. Non, Vasily, tu veux pas découper les trucs avant? Ah, mais tu peux pas parce qu'on l'a pas demandé. Voilà, dépecer une créature en boucle, s'il vous plaît. Je sais pas qui s'occupe de ça, probablement. Mais non, mais lui donnez pas cru.
C'est quoi ces œils de pâte duveteuses? Ces trucs-là, les aéroflites, là. Ça, attends. Ah mince. Alors attendez, écran de recherche, gna gna, air conditionné, oui, pour avoir la ventilation. Donc l'aéroflite. On peut pas le voir en plus gros. Espèce de méduse avec des pattes là. Et ils nous font un produit spécial. Ils nous font ça là. Du blue gel dont on peut servir plus tard pour des batteries, etc. Mais il vient du mode alpha, il me semble. Il vient de Alpha Animals, le mode. Sympa, ça sert à quelque chose, ouais. Il sert à quelque chose avec une recherche particulière et tout, mais la recherche, elle est où? Elle est où la recherche? Bah d'ailleurs, on a fini les batteries, on peut peut-être regarder si c'est ça. Oui, elle est là. La Blue Gel batterie. En revanche, il faut du Sky Steel aussi. Et le Blue Gel, il en faut 500, on n'en a pas assez. Le Sky Steel, donc c'est l'espèce de métal bleu qui tombe de temps en temps. Est-ce que ça, c'est du Sky Steel? Pas du tout. Une espèce de roche bleue avec des petits points jaunes dedans, et puis et là, il n'y en a pas. Faut un élevage de masse, il faut ça effectivement. Alors nous on le gère pas l'élevage là, mais il se reproduit tout seul le truc petit à petit. Donc ils font leur vie. Pour l'instant, on en a combien de trucs comme ça? On a 60, 66. C'est peu. Bon, on n'a pas fini notre câble. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Sécurité, on peut rien faire. Divers. Ah oui, bah divers, maintenant qu'on a la cuisine, on va peut-être pouvoir mettre ça par exemple. C'est pour nettoyer. C'est un évier. Cabinet du tailleur. On va lui mettre là. Drug cabinet. Ça, c'est pour fabriquer. Ah non, il n'est pas lié à un objet. Il faut un. En fait, ces trucs-là fonctionnent comme la caisse à outils, mais pour un truc spécifique. Et l'ustensile de cuisine aussi, tiens. On va le mettre là. Et ça réclame une quantité incroyable de métal. D'ailleurs, on n'a pas de tabouret là. Découvrir plein de nouveaux modes. Ouais, les biomes, ils sont cool. Les biomes, t'as des petits challenges, genre la prairie alpine. Qui est pas mal, mais qui est quand même assez hostile, mine de rien. Je sais pas si tu vas tomber dessus, mais il y a les biomes volcaniques aussi, etc. Et avec le mode My Little Planet, là, tu peux gérer la taille de la planète. Donc si tu veux, si t'as un PC de compète, tu peux mettre la taille de la planète à grande. Et comme ça, t'as plein de trucs. Aide des visiteurs, il reste 15 jours. Allez. Oh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ça sent la traîtrise là, le retournement de situation. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, ils sont nombreux combien? 3, 4, 5. Dans un premier temps, on va faire ça. Ok. Dans un second temps. Les gars,
Vous allez nous faire forestier à fond là tous. Ok. Et dans un second temps donc, hop. Allez récupérer des arbres. Éclatez-vous. Normalement ça devrait les occuper pas mal. Ce qu'on va faire nous en revanche, c'est enlever forestier. Non mais ça sert à rien de venir là, allez couper des arbres. Ils arrivent avec quoi d'ailleurs? Massue, couteau, massue, massue et massue. On va les laisser avec ça. Sylvie, tu as récupéré un arc. Toi t'as quelque chose. Toi t'as rien. On va récupérer ça. Et toi, pareil, t'as pas grand chose. Tu vas récupérer l'arc. Si on doit faire quelque chose au corps à corps, c'est eux qui partiront en premier. Nous, on ira tirer de loin par-dessus leurs épaules. Peut-être. Bon, on a une belle cuisine pour une fois. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dedans? La table de préparation des aliments. Bon, et je vous propose quand ils auront fini de couper des arbres, eh bien on les enverra récupérer du métal. La bouffe là-dedans. Enfin, on en met aussi dans les autres trucs. Hein, mais bon. Dans l'idée, ça, ce sera réfrigéré. Une fois qu'ils auront terminé la recherche. On peut peut-être continuer ça, du coup. Avec des petites portes. Ça, on le réinstalle. On peut même le réinstaller par ici. Un grizzly a pris en chasse Nifleur. Oui, Nifleur. Ça va. Attendez. Ouais, les gars. Il y a un moment, faut tirer dessus quand même. Oh, ça l'a même pas calmé. Si, c'est bon. C'est fait. Eh ben, la première rafale qu'il a prise, il est resté debout, vaillant. Vengeance du grizzly, même pas mal. La deuxième, bon, c'était un peu trop. Ok, on va faire ces chambres là, puis après, au fond, on va en faire une chambre commune.
un raid. Ils attaquent immédiatement. Ils sont trois avec des couteaux. Oh, une lance. Une deuxième. Une deuxième lance. Ils attaquent immédiatement. On va se cacher là derrière le truc. Histoire qu'ils puissent pas nous tirer dessus de loin, qu'ils soient obligés de se rapprocher. Et à ce moment-là, on lui tombera dessus. Dépêchez-vous les gars. 160 contre 3. Ah, il se fait faire très très mal. Hein. Dans nos propres rangs, je pense qu'on va se tirer dessus. Allez, boum. Oh, le lance-flamme. Effectivement, ça a fait très mal. Alors, venez par là. Défoncez-moi celui-là, s'il vous plaît. Avec sa lance. Parfait. Bon, et tant que vous y êtes, il en reste un. Voilà. Très bien. Ouh. On a survécu. On a survécu. Et du coup, on récupère pas mal de trucs. Dont... la fameuse... Alors attendez... Sylvie... Vas-y, va récupérer une lance. Là, il y avait un lance-flamme, mais est-ce qu'on veut vraiment s'en servir du lance-flamme? Je pense que ça va mal tourner sinon on s'en sert. D'ailleurs, est-ce que c'était un lance-flamme? Je pense que c'était plutôt un bouclier de feu ou quelque chose. Matériel, il n'y a rien de particulier, lui non plus. Ouais, ça devait être un bouclier particulier. Cigario. Tiens, s'il récupère un cigario. Nosferatu. Avec sa casquette de marin, là. Et son cigario, donc. Tranquille. Après avoir fumé 3 raiders. Le PC de Soraoli est normal, je regardais pour un autre mais avec la flambée des prix. Effectivement. Tiens, attends. Tu veux bien déshabiller les gars quand même. Voilà, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé et super bien même, puisqu'on a récupéré une deuxième lance. On va se faire un groupe avec que des lances sacrées. Si ça continue. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il faut savoir viser, hein, parce que... posséder la lance ne fait pas tout. On va quand même leur faire 5 lits. Du coup, on a les batteries. Oui. On a les batteries, on va en poser. Je sais pas où les poser, les batteries. On va les poser là. Alors, Sylvie Boucher, totalement guérie. Non mais lui donne pas des cadavres à bouffer, purée, on a plein de trucs là, non? Il y avait plein de riz, il est passé où? Le riz a disparu. Oui c'est ça, le riz a disparu. On n'a plus rien à manger, alors qu'on avait 1700 et quelques. Bon mais il y a ça à manger.
On récupère quelques fruits sur les arbres. Y a pas des champis qui traînent ou autre, non? Éventuellement un mufalo vite fait. Des piafs colorés. Ici. Ah, il y a même du miel là qui traîne. Il nous faut vite les fermes hydroponiques. Hein. Prochaine recherche, c'est celle-ci. Libérateur, alors, Martin, crise de nerfs, gna. Déclencheur, sevrage de smoke leaf. Ah, tu nous as fumé tous nos... On voulait les vendre. Pyromane. Ça va, c'est dehors. Bon, c'est dehors, mais quand même. Évasion. Oui, parce que l'autre les libère, là. Au corps à corps, s'il te plaît. Aïe, le stun. Bon, bah, toi, tu vas rester derrière. Oh, mort de Nosferatu direct. A été poignardé à mort, un seul coup. Incroyable. Bah Sylvie, deuxième lance. Non mais tire... Purée. Sylvie. Focus, voilà. Dans la commode t'as rien fait. Le mur non plus. Elle arrive à trouver des angles improbables. Est-ce que maintenant on peut capturer la machine? Voilà, secourir truc. Et ben, bon bah Nosferatu, voilà, c'est réglé. Une deuxième fois. C'est dommage parce que t'étais le médecin de l'équipe. Qui est-ce qu'on a maintenant en médecine? Lips, mais il est pas à nous Lips. En médecine on a ni Fleur. Maintenant c'est Sylvie le médecin de l'équipe quoi. Bon, d'ailleurs, Nifleur, puisqu'on parle de toi, non, t'as déjà ça. Toi, tu vas récupérer la lance. Ah, l'incendie a ravagé les murs, ok. C'était du bois bleu, en fait, je pense. Ici, un Empyrédon a pris en chasse Lips pour se nourrir. Et Lips, il est où? Ouais, il est loin. Il est loin, Lips. Il peut revenir à la maison. Sora, Oli, Nifleur. Lips, tu restes là. Vengeance du machin, c'est lui qui nous attaque. Soroli vise pas trop mal, hein, niveau 7 maintenant. Ok, GG. Ça se mange. Bon.
Voilà, et là-dessus, bah écoutez, je pense qu'on va se faire une petite pause du cut. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Désolé, Nosferatu, et ton deuxième personnage qui vient d'y passer. C'était pareil, assez gratuit. Un coup de couteau, c'était fini. Maladie grippe. Ah, ce sont les aéroflites. On n'a rien pour les soigner. Alors, attendez, on va quand même faire ça juste avant de partir. Hop, 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 hop. Pareil en hawk. Où est-ce qu'on les met? On les met là. Sylvie, est-ce que tu veux faire ça vite, s'il te plaît? Ça aussi. Ok. Ça, on va le mettre en médecin. Voilà. Et les petites bestioles donc, vont se caler là. Et les gens viennent les soigner, pas de problème. Donc là-dessus, ma petite pause du cut. On revient juste après pour un nouvel épisode. A tout de suite.